faut vérifier avant de donner une chambre. Allons-y. Le verset 24, excusez-moi. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. Non, il ne voyait pas plus. Jean 5, verset 24. Es-tu? En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Attends, celui qui écoute ma parole. Et qui croit. Et qui croit en celui qui m'a envoyé. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. J'aimerais préciser ça. Allons-y. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Nous sommes dans le présent. C'est-à-dire que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et à son Père qui l'a envoyé, tu as déjà la vie éternelle. C'est ça. Allons-y. Et ne vient point au jugement. C'est-à-dire quoi? Ils vont sur la terre. Nous faisons nos œufs. D'autres, en tout cas, sont des païens, d'autres sont des pécheurs, etc., etc. Mais à la fin, nous allons mourir. Et après, on va passer tous au jugement. Le verset là, Jean 5, le verset 24, il est dit, celui qui écoute la parole du Seigneur Jésus-Christ et à son Père qui l'a envoyé, immédiatement il a la vie éternelle. Et il ne va pas venir au jugement. Continue. Et il ne vient point d'un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire dès qu'il meurt, immédiatement, il ressuscite pour aller au paradis. Parce qu'il a reçu la vie éternelle lorsqu'il vivait sur la terre. Parce qu'il a cru à la parole du Seigneur Jésus-Christ et à son Père qui l'a envoyé. Maintenant, je vais donner un verset coranique. Prenez la sourate. Sourate chapitre 46. Verset 9. Verset 9. Alors 46, 9. Puis, je ne suis pas uni de ma famille de messagers. Vas-y, frère. Non, calmez-vous. Il faudrait qu'on explique ça proprement. Allez-y, parce que d'habitude, quand vous parlez là, quand vous parlez, vous donnez des versets, les gens qui sont assis ici, c'est pas faux. Ils prennent la peine de lire les versets là, pour bien comprendre. On va aller pas à pas. Surat 46, verset 9, lecture. Surat 46, verset 9. Puis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Attends. Au prophète Mohammed, il dit qu'il n'est pas une nouveauté